Et bonjour, bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Burnout Revenge. Donc, à la suite des courses Trash Breaker. Hop, et là, on va faire les courses. Bon, cette voiture, on l'a déjà, donc vous savez à quoi vous attendre. C'est une voiture qui est... Bon, c'est pas une mauvaise voiture, mais ça tombe pas beaucoup. Voire dire, pas du tout. Voilà, voilà. Une minute trois, ok. Si je prends tous les raccourcis, ça devrait le faire. J'ai pas vu qu'il y avait une voiture qui arrive en face. C'est pas grave. Je recommence. Vous avez vu le temps de chargement, comment ça fait l'image? Ouh, il a mal le jeu là. Voilà, c'est bon. C'est brave. Et elle tombe vraiment pas, hein, c'est dingue. Breaker passage pour la dernière fois on avait gagné celle-ci et j'avais dit qu'on la prendrait, donc on la prend. La Formule 1 que vous voyez là, normalement, on la gagne dès qu'on passe le niveau 10. Bah, il y a une autre Formule 1 derrière. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire ça?
il n'y avait pas censé avoir un virage, hein, normalement. Bon, c'est pas grave. Si je me ferais pas voir. Là, j'étais à fond. Rien débloqué, pas de nouvelle épreuve. Pas grave. Ouais. C'est une bonne bagnole, cette Formule 1, là, qu'on voit, là. Que vous mettez la nitro ou non, elle est à 300, un peu plus de 300 mètres. C'est l'avantage qu'elle a. Le désavantage, c'est que vous mettez la nitro, ça change rien. Sauf l'accélération, c'est tout. C'est quoi ça? Panique dans le trafic. Et ça, c'est road rage. On va faire une course panique dans le trafic. Et dites-moi là. Ouais, c'est celle-ci là qui fait des wheelings. Cette voiture là que je prends là, qui ressemble à une Lotus, on va dire ça comme ça, elle a les mêmes caractéristiques que celle que j'aime bien. Elle dérape bien et tout, mais le seul défaut qu'elle a, c'est que c'est une voiture super légère. Du coup, 1 200 000, ah ouais, comme ça, ça va être compliqué ça. Oh, quoi que, vu le nombre de camions, peut-être pas en fait. C'est bien aussi si j'évitais de les esquiver. Voilà. Difficile d'esquiver ça. Je cherche les véhicules, mais il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de véhicule. Mais sérieusement,
refuser l'arbitre. Refuser. Non mais sérieusement. Attendez. Ouais. Je reviens. Me revoilà. C'était la pause bouffe. Je sens que ça va me gonfler sévère. Et en plus, vous ne le savez pas, mais maintenant vous allez le savoir, je suis assez pressé là. Et j'aimerais bien faire le nombre de courses nécessaires pour faire au moins une vidéo de 30 minutes. Mais bon. Wow. Ça commence à la déporter. Elle est vraiment trop légère, hein, cette voiture. Elle est pas faite pour ça. Est tellement légère que même une petite voiture que je pousse peut m'envoyer dans le décor.
Donc ce serait bien aussi que je les esquive pas parce que... D'accord, je me suis foutu la gueule en l'air sans raison. Pas grave. Yes. Wow. Esquive. Boum. Bravo. Et j'ai débloqué une nouvelle voiture. Finalement, ça se sera pas trop mal passé. Bon. Toi, la batterie, tu tiens. Non, parce que vous voyez pas, mais la caméra est branchée directement à une batterie externe qui normalement peut durer 12 heures. C'est le dernier modèle de cette voiture. Éliminateur. C'est un monstre. C'est une voiture légère et non super légère. Du coup, les autres vont avoir du mal à m'envoyer dans le décor. Problème, il se peut que cette voiture ait beaucoup de mal à tourner, mais de ce que je me souviens, elle est pas mal. Une course éliminateur, le but c'est de rester premier jusqu'à la fin. Ok, elle est encore mieux que l'autre. Ah ouais, elle est clairement mieux que l'autre. Thank you.
Wow. Oh la chance. Ils ont dû se vautrer. Plus de nitro, plus de vitesse. Alors, ça, c'est du bug. Vous m'avez pas vu, mais j'ai haussé les épaules d'une manière, l'air de dire ok. Non, mais ok, le jeu, si tu veux, bug. Allez, bug, fais-moi traverser la map. Comme pour le championnat zone 8. Je sais plus si c'est l'avant-dernière course ou un truc comme ça où je suis passé littéralement à travers la map. Dans tous les burn-out, c'est arrivé ça. La voiture bleue qui ressemble à une Dodge Viper là, je crois qu'elle a encore une amélioration, je crois. À moins que ça soit la dernière amélioration que j'avais eue là, la dernière. 17, ça devrait aller. Ah bah tiens, quand je parle du loup, elle est derrière. Elle était derrière. Wow. Ok, je passe sous le camion. Yes. Je l'ai pas eu, mais normalement j'aurais dû l'avoir. Thank you.
Je ne fais rien de spécial pourtant. Bah, somme toute, ça se sera passé facilement, hein. Cette voiture, elle est clairement faite pour ça, hein. Y a rien à dire. Eh ouais. Trampoline? Ah non. Tramapoline. Ouais, tramapoline. Ouais, c'est comme trampoline, mais bon. Eh ben. Je pense qu'on va terminer cette session de vidéo avec une course comme ça. Et on va la mettre bleue. Une voiture spéciale là dans le tas. Bon, si, il y a la. Ouais. Ok, double takedown. J'en ai eu 4. Wow, 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 sale. La Revenge Racer, elle est loin devant, je vais essayer de la rattraper, mais ça va pas être facile. Quoi, hein? Oh non, là je suis déçu, il est à côté de moi.
Ok. Bon. J'ai cru que c'était mort, mais non. Ce que vous y avez pas vu, mais sur la droite, juste avant que je passe la ligne d'arrivée, il me semblait bien qu'il y avait une voiture qui m'avait doublé. Pour ça. Bam, 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 bam. Et je vais regarder c'est quoi que j'ai débloqué. Ok, éliminateur pour Crash Breaker. Bon, et ben la prochaine fois on continue les courses. Allez, sur ce, à plus.